Voici une nouvelle édition du calendrier économique de Ducascopie. Jetons un coup d'œil aux communiqués de presse les plus importants programmés le jeudi 5 janvier. La Suisse publiera son indice des prix à la consommation pour décembre à 8h15. Les prix à la consommation ont chuté en novembre après 2 mois de croissance lente. Le PMI du commerce de détail de la zone euro pour décembre suit à 9h10. L'indice n'a vu aucun changement en novembre suite à un déclin dans tous les sous-secteurs. La Grande-Bretagne fera connaître son PMI des services pour décembre à 9h30. Les données de novembre ont surpris à la hausse, l'indice ayant atteint son plus haut niveau en plus d'un an. L'indice des prix à la production de la zone euro pour novembre sera disponible à 10h. Les prix à la production ont fortement progressé en octobre grâce à une accélération des coûts de l'énergie. À 13h15 GMT, nous découvrirons le rapport ADP sur l'emploi aux USA pour décembre. Le rapport de novembre a surpris fortement à la hausse après une faible croissance de 119 000 affichée un mois plus tôt. La mise à jour hebdomadaire sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis est programmée à 13h30. Les demandes initiales ont diminué de 10 000 pendant la semaine se terminant le 24 décembre, alors que les demandes renouvelées ont bondi de 63 000 pendant la semaine se terminant le 17 décembre. Le Canada doit publier son indice des prix des produits industriels pour novembre à la même heure. L'indice a continué d'augmenter en octobre, affichant la plus forte croissance en 3 mois. Les États-Unis publieront l'indice PMI non manufacturier de l'ISM pour décembre à 15h. L'indice a grimpé de 2,4 points en novembre, atteignant son plus haut depuis la fin de 2015. Nous découvrirons la balance commerciale australienne pour novembre à 12h30. Les données d'octobre sont apparues plus faibles que prévu car les importations ont progressé 2 fois plus rapidement que les exportations. Je suis Céleste Kinner. Vous avez suivi le calendrier économique pour jeudi. Le prochain aperçu portera sur les publications clés de vendredi. À très vite.